Et bonjour internautrice et internautateur, ici Galen pour les Jeux du Cygne. On retrouve notre partie en multi sur Total War Warhammer 3 avec les gentils et surtout avec le Cygne Noir. Coucou, comment vas-tu? Salut, salut tout le monde, j'espère que ça va bien et moi ça va bien de mon côté. Alors de son côté, le Cygne Noir est en train de défoncer le nain du chaos. Ah non, il défonce la Norska. La Norska, c'est de la Norska. Alors, ouais. Mais la Norska se défend. Ouais, il reste une armée là, il fait le tour du Python Rocheux avec son armée, j'avais la flemme de le poursuivre. Durant ce passage de tour, et moi j'ai obtenu la victoire courte à la fin de l'épisode précédent. Ça c'est et quand même un GG. 75 régions qui sont contrôlées par l'Empire, donc quand j'en aurai une de plus, l'autorité impériale passera à l'avant-dernier cran, qui me donnera des buffs globaux sympathiques. Stragov s'est fait bouffer, donc c'est... Comment c'est... passer à un peu plus que plus 1, c'est ça? Mulder vient de reprendre Malphos. Ouh, c'est moche, ça. Donc la mère Catherine est quand même seulement moi. Et voilà. Et lui, oui. Mais du coup, j'ai quand même que 3 rancunes là-bas. On va la jouer, celle-là. Ça fait une petite bataille, mais une bataille nonetheless. Et bah écoute... Elle est rigolote, elle va être rigolote. Je pensais que ça serait la mienne qu'on jouerait, mais du coup, allons-y. Alors, qu'est-ce que t'as ? Une petite armée, une armée de base, et lui... Ouais, ok, ça va être une petite bataille. Très bien. Sur l'épisode précédent, on n'a pas fait une seule bataille à la base. Non, on n'a pas fait une seule bataille. C'est tristesse. Bah, ça arrive, hein. Il y a ses squids qui vont être très chiants. Il a ses trolls, mais j'ai trois albardiers. Normalement, je devrais arriver à les gérer, ces trolls. Ouais. Bon, c'est Squig même, face à ta cavalerie. Ma cavalerie, elle est en carrefour. Je trouve les chevaliers de l'Empire, c'est vraiment de la cavalerie de merde. Oui, bon, les Squig, c'est pas non plus oufissime, quoi. C'est pas oufissime. Ouais, mais j'adore les Squig. J'ai toujours adoré. Ça fait partie. Quand j'étais jeune et que je jouais à Warhammer Battle. Oui. C'était les orques et gobes que j'aimais le mieux, les peaux vertes, et j'étais totalement fan des squids. Alors, c'est la carte dont on a l'habitude, mais cette fois, on n'a pas la position avantageuse. Ah oui, en effet, t'as raison. Carte là, on commence bien à côté. Écoute, on est en défense, hein, cela dit. Hein. Là. On est en défense, absolument. C'est un facteur important. Donc du coup, on peut être dans une position très avantageuse. Genre là. Ouais. Alors tu neutralises tout le flanc gauche avec ta. Voilà, avec on neutralise tout le flanc gauche. Moi je peux faire. Alors je vais te donner la piétaille. Ok. Hop. Je vais. Attends, ça, toi t'es de la piétaille ou t'es à chevaux? Toi t'es de la piétaille, par contre toi t'es à chevaux. Alors je vais te donner le capitaine avec. Et je vais m'occuper de la cavalerie. Comme ça. Alors, où est-ce qu'on peut passer? Ici, visiblement, on peut pas passer. On va laisser eux derrière. On va laisser lui dans la forêt pour les éventuels squeaks qui voudraient contourner. Cacher tant qu'à faire, c'est possible? Ouais, encore mieux. Ah, tu passes par là. D'accord, tu te mets là. J'imaginais mettre la cavalerie ici, en fait. Oui, bah tu peux, hein. Je laisse juste là pour éviter un contournement des squeaks. Non, mais en fait, je pensais la mettre là, la cavalerie, justement, moi, pour l'attaquer dans le dos. Ok, et bah écoute, bah il y a qu'un troll en face, donc je me suis dit que c'était pas la peine d'avoir 15 000 albardiers, mais. Ouais, ça... ouais, mais à la limite, tu mets un albardier de flanc, ça vite fait. Les arbalétriers soient attaqués. Soit trop facilement contournés. T'as lancé là. Hein. Voilà. Yes. J'ai lancé. Tout à fait, j'ai même lancé en x4 parce que on en a gros. Hop là, on va se déployer avec cela, ça limitera un petit peu les impacts possibles. Alors, les trolls sont plutôt sur la gauche, ouais. Ce qui est pas très très bon pour. Bon, si vous pouviez. Allez, squeaks, ils sont. Il y a des squeaks qui sont hors de contrôle comme ça. Les albardiers. Je vais leur faire tirer plutôt sur qui? Les costauds, ils ont de l'armure, mais ils ont pas de bouclier. Alors, du coup, vous allez plutôt tirer sur les costauds.
Oh, le premier, la première phase de tir a tué aucun modèle, mais niveau PV, ça a fait plaisir. Allez, vous avez juste le temps de vous mettre en mode défense pour encaisser la charge, là. Ce serait gentil. Je vais bien amollir ces costauds. Ça, c'est rigolo, ils sont très fatigués, ces troupes. Ah non, il y en a qui sont fraîches. Ok, vous avez... Allez, il va être temps d'y aller là. We are Sigma's heirs. Swordsman. Non, les trolls qui font le tour. Pas d'accord. Ah, c'est pas un chaman gobelin, c'est un combattant gobelin et je suis censé perdre face à lui quoi. Magnifique. Allez, on va aller se refermer un peu dans leur dos. Tes arbalétriers. Tes arbalétriers. Pas forcément. Bon, je fais en sorte que les squigs. Les squigs reviennent pas. Ne reviennent pas. J'entends. Là, normalement, je perdais toute mon infanterie. Hein. En auto. Oh, y a moyen qu'on fasse potentiellement mieux, même si on sent que ça souffre quand même. Bon, alors par contre, ces squeeze ont disparu. Ah, ces trolls, ils font je ne sais quoi, mais ok, parfait. Ouais. Là, ça t'acharge les boys. Je vais essayer de choper les boys avec les albardiers. Ces trolls. T'as des albaïtriques qui sont venus au contact là. Oh merde, ouais, en fait l'idée c'était de redérouter les costauds, mais effectivement c'était pas tout à fait le bon. Allez, il y a moyen de choper ces trolls là. Avec vos albardes. Ouais. Ça revient un peu à ça quand même. C'est vrai qu'ils sont pas grands hein, face aux trolls des humains. Hein. Ouais, là, c'est pas bon, des c'est... géants, mais déjà les trolls de pierre. Route totale. Faut le faire un maximum de dégâts. Donc on va poursuivre. Tac. Les squigs, c'est pas la peine d'essayer de les choper. Est-ce que les trolls. Bah, je vais laisser mes arbalétriers dessus. Non, vous avez chopé. Donc, combien de vitesse les trolls? À 54 quand même. Hein. On a que 31 avec nos albardiers, donc ouais, c'est pas la peine. Je vais essayer de poursuivre un peu, mais ça va pas être. Oui, bah, ceci dit. Non, je vais laisser une troupe d'archers dessus. De cavaliers. De cavaliers. Hop, je vais aller sur son lord. Non, à la limite, son lord, je vais le laisser tout seul, je m'en fous. Bon, j'ai le seigneur, là, enfin le spécialiste de mêlée, Marius, qui tape dessus. Les boys sont assez lents, donc j'ai envoyé quelques troupes les harceler, si on peut mettre 2-3 coups d'albarde dans les fesses, c'est toujours ça de prix. Hop. Je vais faire du frame me, c'est pas très très grave, je passe en x4. Hop. Hop. Ça sert à rien, on les aura pas. Hop, revenez par les là. Les trolls, ça va être bon. Les costauds, ça va être bon. Le seigneur les aussi archers. Va tomber. Est-ce que tu veux que je lâche le seigneur? Oh bah, trop tard. C'est pas très grave. C'est fait. Oui. Je pense que c'est bon là. Hein. Hop. Allez, on arrête de jouer avec la nourriture là. Voilà. Je pense qu'à 5 là, ils vont pas être dissous. Dans le doute. Chargé. Dans le doute, à 0, ils seront dissous quoi. Voilà. Non, mais parce qu'il y a des squigs encore. Très bon état d'esprit. Ils se sont échappés. Bim, voilà, moins 1, 0. Une tour de justesse, tu parles. Ah, on a des unités qui ont un peu souffert.
Ah oui, j'avoue. Mais bon, c'était ça où je perdais toute ma ligne. Ah oui, non, non, bah, de toute façon, je pense qu'on avait tout intérêt à le faire à la main. Ouais, tu vois, il reste 3 unités, à mon avis, son armée va pas disbander. Il faudra que j'aille le chasser. Et il va falloir que j'aille chasser Azag et ça m'enquiquine. Bah écoute, vu qu'il a commencé à rentrer sur ton territoire, hein, au pire tu me fileras les provinces dans les montagnes. Hein. Moi je prends. Oui, mais pour ça il faut que tu sois confédéré. Avec. Non, bah tu peux. Si tu les captures, tu peux me les filer. Et non, il faut que tu sois à côté pour que je puisse te les filer. Tu ne Ah oui, peux. t'es sûr. Tu ne peux transférer qu'un. Qu'un settlement qui est à côté de toi. Bah je l'ignorais. Ouais. C'est pourtant une règle importante. Bah d'un autre côté, c'est vrai qu'en coop, le cas s'est jamais posé. Donc, Non, mais même qui que ce soit en fait. Tu ne oui, peux. non mais enfin, solo, Alors, jamais tu files des non, je ne provinces veux à pas faire de personne. peine avec toi. Parce que tôt ou tard, je vais Alors. devoir te croquer. Et bon, on va refaire une autre bataille qui cette fois devrait être une défaite valeureuse. Et je pense que ça va être Tandax. Mais on va faire le maximum de dégâts, c'est Ah l'objectif, oui, même parce si que on perd. Oh, t'as quoi avec le morgue? Il faut. Ah, maître équestre maraudeur. Là, c'est bien L'objectif, c'est que faire. le canon ogre fasse le plus de morts possible. Ouais. Ouais, ça va pas être simple. C'est l'objectif. Mais bon, ça. On va voir la map. Je pense qu'on va voir la map. Si on se place mieux que la dernière fois, il y a moyen. Mais de toute façon, là, même si on perd ça, l'objectif, c'est de lui faire le plus mal possible pour qu'il arrête de faire des tours de partout avec son armée. À la limite qu'on la perde, c'est pas, ça me dérange pas plus que ça, quoi. De T'avais nouveau, pas de il a ses foutus rancunier. berserkers, là. Ouais. De quoi? T'avais pas de rancunier que tu pouvais recruter en instant. C'est la même Bah non. carte que celle où on a perdu. Pas avec mes malus, là. Ah oui. Je pense que c'est la même carte. Toi, Ouais, tu c'est le la vois même carte, peut-être. donc on va pas se remettre au même endroit, du coup. Enfin, on va voir où on apparaît, j'ai Ah, l'impression qu'on va être du même moi, à mon côté. avis, c'est une bonne carte. C'est une. Ah oui, non, le problème, c'était les. Bah, toute notre La artillerie forêt. avait été inutile, quoi, franchement. C'est vrai que la forêt avait été assez gênante. Non, non, là, l'objectif c'est que les canons ogres, en plus les canons ogres ils font plus mal, mais ils sont plus légers que les vrais canons. Non, l'objectif c'est qu'on les maximise. Hein. Donc, on laisse cette forêt. Alors après, le problème, c'est la petite colline qui est devant, là. Bah sinon ici là. Qui est pas ouf. Si. Ouais. Bah ouais, ça va être ça, je pense. Et là, la petite colline qui est juste au niveau du déploiement d'embuscade qui fait chier, là, mais... Ou là, tiens, sur cette colline-là. T'aimes bien les collines Oui, je sais, non, de. mais moi, je dis, il y a celle-là qui est devant et qui va nous emmerder. Mais du coup, si on se met Ah. un peu derrière, ça le fait, quoi. Ça va le Oh, faire. il y aura toujours quelqu'un sur qui tirer. C'est ça. Alors, niveau tireur, c'est assez pauvre. En plus, je crois que c'est des tromblons qu'ils ont. Ouais, c'est un tromblon. Après, c'est des combattants en mêlée décent, tous ces gens. Donc, ça devrait aller. Je vais te laisser, bah, comme la dernière fois, les petits mineurs, si tu veux essayer d'avoir un peu de force de frappe quelque part. Oh. Elle est bien N'est-ce bonne pas? celle-là. C'est vrai, on va dire que plutôt c'est pour. Tu les mets comme ça les canons? Ok, faut que je le mette Bah devant. oui, parce que je le mets au sommet de la butte, en fait. Putain, c'est vrai qu'il y a une butte là, j'avais même pas. Oui. La ligne de front va être compliquée. Alors, du coup, on va foutre vous derrière là, genre sur une ligne de 1. Voilà, excellent. Vous allez optimiser les peu de dégâts que vous allez faire. Toi, tu vas éventuellement tenter de contourner. Alors, on a un maître des runes. Il a quoi? Rune du serment, armure 30 et vitesse 45, atteint comme elle est. Ok, très bien. Il te reste encore un mineur, Oh, en je fait. sais, mais c'est ceux qui lancent des mines. Je vais essayer de les éventuellement de les mettre sur les côtés.
contourner, mettre des trucs où on peut. Allez, ouais. C'est parti. Donc l'objectif, de toute façon, c'est que les canons ogres fassent du dégât. Pas de... C'est que ça sert. Attends, par contre, les cavaliers vont être hyper chiants. Quoi. Ouais. On va avoir grand-chose pour les gérer. Ok. Il faut qu'on change d'orientation là, rapidement. Oui. Hop. Vous mettez-vous plutôt par là. Vous courez par ici. Toi en arrière. Les arbalétriers. Mettez-vous un peu plus devant. Alors excellent, on a quand même la catapulte qui lance. Attends, on la voit ? Ah zut, il faut que je regarde les projectiles. Qui est censé lancer les cailloux avec des gobelins dessus. Là. Des gobelins vivants accrochés pour baisser le moral des unités ennemies. Attends, pause. Je veux voir, il y a un projectile là. Ah mais oui, mais c'est vraiment un caillou avec un gobelin de la nuit accroché dessus quoi. Il est en train de hurler, le pauvre. Putain. N'importe quoi. Ok, ça va être compliqué. Toi, recentre-toi par là. On va réaligner un petit peu, comme ça. Ah merde. Les chevaliers maraudeurs sur le côté, là, qui vont être désagréables. Ouais, parce que au final tu t'es un peu trop réanglé. Ouais. De toute façon, avec les troupes qu'on a là. Ouais, le tromblon il fait le taf quand même. Tu serais censé gagner contre lui, bah essaye de te le faire, si tu peux te le faire, franchement. Plutôt par là, toi, cours. Là, jeter là-dessus. Mouvement de contournement avec mes mineurs là. Allez, on crame les berserkers à coup de trucs explosifs si on peut. C'est toujours ça qui aide. Et encore. Bon, les tromblons sont en train de céder, mais ils ont fait le taf, hein. Allez, jetez encore quelques mouines explosives là, s'il vous plaît. Bon, un peu de tiramis, mais ça fait le taf. Alors, sur la gauche, en train de céder, sans grande surprise, très honnêtement. On leur met mal en point, mais toi aussi. Moi ça va. Okay. Ah merde. Ouais, je vais aller marauder derrière. Ça va céder, de toute façon, sur la gauche là, ça va céder, mais. J'essayais de gérer son lord, mais si j'arrive à le tuer, il y a peut-être moyen. Mais là, ça va devenir compliqué, il y a trop de monde. Il s'est shooté dessus. Ouais, je me fais même attaquer avec les... C'est foutu pour l'artillerie. Ouais, bah, sans grande surprise. Hein. Allez, en avant. Essayez donc de les choper à la charge. Allez, là, on peut se faire le seigneur, là. Vas-y, ouais, un petit bonus d'attaque. Mon avis, t'arriveras pas. Hein. Sans vouloir être désagréable.
Ouais, je te trouve effectivement désagréable. 409. Alors attends, les guerriers se rassemblent. Qui se rassemble? Des petits mineurs, bon, certes. Fuis, le salaud. Eh oui. Ah, le salaud quoi. J'hallucine. Comme ça se fait trop pas. Il me reste une catapulte. Allez, si t'arrives à te sortir de là, on court un peu après. Fais des arbalétriers qui font quand même. Pour moi, tu es fini. Presque. Les unités de mineurs n'auront même pas réussi à gérer une unité de lancier maraudeur. Pourtant, je m'étais dit. C'est en l'ordre des temps des routes. Ouais, mais ça suffira pas. J'ai tellement de monde sur le mien. Oui. Et le moral qui flanche un peu, du coup, aussi. Ouais. Vos guerriers se rassemblent. Ouais. Ça va pas changer grand chose, mais. C'est fouteux. Qu'est-ce que vous faites, vous? Deux à finir. T'as encore des guerriers qui font rien. Ah ouais, je les renvoie, mais bon, malheureusement, ça reste du nord. Hein. On va prendre un petit boost d'armure, ça fait pas de mal. Non, c'est la déroute. Rien du tout. Défaite valeureuse. Mais on a fait mal. C'était l'objectif. Et on a fait 127 morts de plus avec les canons ogres. Très bien. Excellent. J'ai fait ce que j'ai pu. Ah ouais, mais tu vois, tu y détruis rien. Peut-être une unité de maraudeurs, de chevaliers. Enfin, des javelins là. On a fait ce qu'on a pu. C'est clair que c'était pas gagné de toute façon. Hein. On a quand même éliminé la moitié de l'armée. Hein. L'un dans l'autre, exactement. Ouais, si j'avais pu mettre mon petit maître des runes dedans, ça aurait peut-être pu changer la donne, mais on n'a pas pu le recruter avant. Après, c'est pas grave, hein. Je prends ses cités, je les défonce, ça lui retire tous ses bâtiments de recrutement. On l'aura à l'usure. J'ai pas peur, je suis pas inquiet. Ulrika la vampire. Ah, je peux refuser et ça me donne 25 de croissance et 10 d'autorité dans toute la faction, tiens. Mmh. L'exécuter carrément. Bon, est-ce que je vais arriver à gérer Azag avec ce que j'ai là? Il est mort au combat. Eh oui, et du coup, qui est annulé. Donc c'est toi qui auras Ulrika et pas moi. Ok, d'accord. Ce qui est pas illogique. Bon, la map a encore changé de sens. Je te dis, ma solution, c'est la touche début. Début. Ouais, ça te permet de recentrer sur ta capitale et avec la caméra dans le bon sens. D'accord, elle se remet toute seule dans le bon sens. Ok, voilà. Je garde ça en tête. La touche début. C'est ta base de l'orque là, je vois. Bah, c'était. J'ai récupéré ce qui m'a pris. Ouais, logique. Ici, du coup. Mais bon, j'ai encore un petit Azag à gérer. Oui, bon, écoute. Voilà, on se débarrasse de lui, ça c'est fait. Le petit bonus d'autorité qui est pas dégueu. On se met en campement. Et du coup, on va pouvoir dépenser tous nos sous. Alors, Ulrika, elle est où?
Pas qu'elle est la citadelle interdite, non. Machine. Ulrika Magdava. Ok, t'es apparu là, excellent. Alors tu fais quoi dans ta vie? Augmenter la mobilité, force. Très bien. Répandre l'autorité, très bien. T'as des une dague d'argent. Éclat de sang, maîtrise des sorts. Understood. Ok, des petites attaques magiques, fin moindre. Ok, tu régénères des PV. Move it. The throng is mustered. You know nothing. Il a une sacrée régénération. Du coup, tu vas aller rejoindre Malakai tant qu'à faire. Parce que Gotrek, c'est pas demain qu'il arrive, clairement. Je vais trop loin, s'il passe par là. Ok, maintenant on peut dépenser de la thune. Ouais, c'est ça. Ça, un peu de croissance, on prend ici. On va améliorer ça parce qu'il faut qu'on défende. C'est marrant, Azazel a pas attaqué Berengrad. Ici on peut faire des trucs, mais pour le moment on va rien faire. Donc là on prend des risques hein, en allant ici, mais ce que je veux c'est me débarrasser de ce truc là dans mon dos et après j'aurai aucun problème à revenir en ligne droite et à lui marcher sur la tronche. Comme il l'aura mérité. Et vu qu'on a des sous, on va investir là-dedans aussi. Et tu dis que on peut faire des choses chez Malakai. Alors, on peut aller chercher ça, ce qui me plaît bien. Ouais, on va prendre ça. Voilà. On va claquer la thune là. On avait regardé 17 000. On a claqué la thune. Gotrek, tu continues de courir. Toi du coup, replie-toi par là-bas pour faire un petit boost d'autorité, ça fera pas de mal. Ah, c'est la course au ralenti. Attention. Ici, l'entretien. Il nous reste 3 tours pour notre âge du jugement. Rébellion imminente, tout ça. Ah oui, ici. C'est comme ça. C'est comme ça, je vous dise moi. La diplomatie, on va jeter un œil rapidement aux accords commerciaux. Si j'osais, je dirais là. Mais je sais pas si tu vas choper la référence musicale qui va bien. Je m'attendais à ce que tu dises diplomatie, mais... Non. Non, c'est quand tu dis c'est comme ça. Voilà. Du coup, on en est à combien? 600 morts sur 1500, pas si mal. Il va faire qu'on aille dans les terres désolées, là. Il y a du Skaven ici, tiens. Ok. Eh bah écoute, quand tu veux. Eh bien... Tiens, qu'est-ce que je fais avec toi, du coup? Qu'est-ce que je fais avec toi? Est-ce qu'on ne gagne pas d'XP quand on les laisse juste là pour que leur effet passif fasse des trucs? Move it! Level là. Un, deux, trois, quatre. Il faudra un magot. Bah écoute, techniquement, je suis presque adjacent au territoire d'Azag. Hein. Je vais faire ici. Je suis adjacent au territoire d'Azag. Hein.
en vrai. Bâtiment qui me permet de recruter un magicien. Donc si tu vas capturer les troupes, les territoires d'Azag, y a moyen. Par le... Ouais, c'est possible en effet. Vu que je suis collé donc, maintenant aux montagnes du bord déjà, du monde. Je vais déjà essayer de gérer Monsieur Azag. Oh bah t'as des dragues de fer, franchement. Tu vas oui. y défoncer la tronche. Bon, j'avoue que tes lanciers de base, ils font moins rêver. Mais les archers aussi. Oui, en fait, mon temps d'armée me fait pas rêver, j'avoue. Merci, pour moi. Merci d'enfoncer le clou. Autant pour moi. C'est de la daube, excuse-moi d'avoir douté. tu es plein de cœur, je trouve. Alors, est-ce que je peux diplomater? Non, Lorelorn, je suis désolé, mais t'es ma prochaine cible. Comment si je vais pas direct? Attends, qu'est-ce que tu fais? Hop, 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 qu'est-ce que tu fais? Alors, début, je suis en diplo. Dit début. Voilà. Oui, t'es en diplo, c'est pour ça que ça part un peu en c'est couille. Ça. Ça me ramène sans cesse sur Middenstag, du coup. C'est plutôt cool d'améliorer nos relations. Bon, la cour de givre. Ça y est. Ça m'intéresserait de savoir ce qu'elle est en guerre contre Trot, Azazel et les Sarles. Du coup, ici. Ouais, en fait, je risque pas grand chose comme déclaration de guerre inopinée. Allez. Je vais faire une alliance défensive avec Catherine. Oh la vache. Il faut pas que tu fasses de diplomatie en même temps que moi. C'est pas que je peux pas faire de diplomatie, c'est que je ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que à chaque fois que j'allais sur ma cité pour essayer de faire un truc, en l'occurrence je voulais recruter un seigneur, ça me ramenait sur le Middenland. Non. Normal. Le truc insupportable, quoi. Donc, du coup, là, on va avancer un peu plus. Et là, on va recruter. On a plus de sous. Eh ben, on va pas recruter. Et j'ai fini mon tour, oui. Wait. Simple. On va commencer à avancer au max avec toi aussi, parce que si on peut t'avoir, ça sera toujours ça qui aide. Et c'est parti. On passe le tour. Est-ce que Carlito va réussir à reprendre Aldorf? Ouf, une révolte de rebelles du chaos, quoi, carrément. Putain, ça m'avance pas. Non, je ne vais pas rejoindre de guerre, Catherine, c'est même pas la peine de me demander. J'ai suffisamment. Je vais avoir Kemmler à me cogner. C'est largement suffisant. Ouais, Mulder, il est revenu en force, effectivement. Kemmler et Grom. Ça, c'est la grosse baston, ça. Allez, bim. Embuscade, ça fonctionne. Oh, j'ai joué. Héroïque. Victoire héroïque en auto. Ça. Alors, ça, c'est bon. Franchement, j'y croyais pas. Victoire héroïque en auto, c'est rare. Hein. Boum. Sur une embuscade. Hein. Oui, je sais, mais c'est. En général, allez, il fait pas des trucs héroïques, là, l'IA, quoi. Bien joué. Oui, T'as rien perdu, du coup? Non, je perds rien. Perte moyenne. Magnifique. Alors, bon, bah, du coup, il m'attaque ici. Oh, quel enfer. Je peux faire ça, quoi. On est obligé de la faire, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a? Les guerriers du chaos. Maraudeur, char du chaos. Oh là là, quelle merde. Toi, t'as des murs, toi. De quoi? Tu as des murs, là où tu es. Ils sont cassés. Mais oui, j'ai des murs. J'ai des murs cassés. Ouais. Bon. L'ordi vend une défaite de justesse, donc bon. Ouf. Après, c'est des mecs de Slaanesh en face. Ah, ils ont de l'armure quand même, hein, pour des. Ah non, ça, c'est des guerriers. Si, c'est du guerrier de chaos de Slaanesh. Ils ont toi, t'es pas très en forme. Ouais, j'y crois pas, mais une défaite de justesse, tu vois, si jamais ça passe. Mais j'y crois assez moyennement quand même.
Mais bon, on va voir. Avec le renfort des tours et autres, peut-être. Peut-être, peut-être. Mais ouais, la rébellion du chaos qui apparaît direct, là, ça fait pas plaisir. Et qui attaque direct, ouais, c'est pas cool. Jolie cité, par contre, j'avoue. Très jolie cité. On sent que c'est un carac, hein. Magnifique, la forge là. Excellent. Okay. Ah oui, ils sont vraiment mal en point, tes nains. Bah, c'est la garnison qui est en train de se reformer, quoi. Ah, mais si, t'as des murs. Bah, alors, j'ai des murs, mais ils étaient censés être endommagés après. C'est les tours qui vont tout faire. Ouais, mais. Oui. Ouais, c'est semi-endommagé, on va dire. Il va falloir que les tours fassent tout le taf. Ouais, alors du coup, il a tout foutu là, visiblement. Il a du troll, du. Ah, il va aller défoncer ta porte avec son troll, son char. Et il va monter. Ah, les gars, tu vas avoir du mal à les gérer quand même. Ah bah, on va avoir du mal à les gérer. Hein. Ça. La les bataille déchus... va être compliquée. Hein. Les déchus, ils ont pas de. Ils ont pas de d'échelle dans les fesses, je crois. Je sais même pas quoi te donner comme troupe. Hein. Je crois que si tu veux te mettre en spectateur, fais-toi plaisir, quoi. Qu'est-ce qu'on peut construire qui pourrait nous aider? Où sont les emplacements de tours? Ah, il s'est mis aussi là, il y a zéro emplacement de tour ici. Si je peux te donner un conseil, c'est de foutre une petite unité. Des mineurs là sur les tours au sud. Enfin, non, pas au sud, mais. Là, là. Ouais. Oui, c'est vrai qu'ils ont une portée, ouais, t'as raison. C'est toujours ça de prix. Tac, tac, tac. Ouais, tour, tour. On verra s'ils décident de poser des échelles, mais. Ouais, bien sûr qu'il va poser des échelles. C'est guerrier du chaos, t'arriveras jamais à les. Je pose une tour là, faute de mieux. Vous avez vu comment il est négatif? Incroyable, ça. Réaliste. Réaliste. Incroyable. Mon conseil, ça serait de. Tu n'arriveras jamais à les tenir les murs. C'est plutôt de te mettre en bas. Enfin, tu laisses juste l'unité pour tenir les tours. Et puis en fait le recul. Je vais mettre les arbalétriers et chaque flèche qu'on va lancer là est payante. Hein. Aucun tir le temps qu'il arrive au mur, hein. Honnêtement. Mais et ensuite que tu recules en fait et que tu laisses les tours faire le taf. Ouais. Maximum. On va voir. Ça peut être hautement stratégique. Slay the Oathbreakers. Il y a de l'armure à la vache. Yep. Ah, il a peur de moi, c'est bon, recule. Ok, il commence à sortir de la portée des tours, malheureusement. Non, il y en a d'autres derrière. Les échelles sont sur les murs. C'est le temps de descendre. Donc les déchus ont bien des échelles dans les fesses. Oui. Non, tes mineurs, laisse-les là encore. Par contre, effectivement, tes arbalétriers. C'est cassé. Bah, donnez-moi si tu veux les arbalétriers. Essayez de les gérer au mieux. Ok. C'est cadeau. Merci.
Du coup, est-ce qu'on reculerait pas pour faire une défense un peu plus loin? On peut faire des barricades et tout. Là. Portée, c'est naze. Armure et commandement. Piège. Putain, on a fait tellement rien comme dégâts avec nos tours, quoi. C'est ouf. C'était un peu ce que je me disais aussi. Incroyable, quoi. On a tué deux chiens du chaos. Attends, je regarde, mais... On a tué deux chiens du chaos, et si, on a tué quelques mecs à Knut, là. Ouais. Trois. Putain. Ça pique le cul. Oh la vache. Ok. Pardon, j'enlève la pause. On n'a pas beaucoup de tours. Hein. On peut faire une tour là, on va la faire. On va essayer de... Vous, là, repliez-vous par ici. T'es confiant avec tes armes à détruire ? Je recule, moi. Ouais, bah il a pas de troupe rapide encore. Donc, oui, c'est vrai. Mais dès qu'il aura pris les murs, là, les chiens, ils vont être... Dès qu'il aura pris la porte, pardon. Pas faux. On va épuiser ces unités, tiens, rigolo. Allez, vous, vous allez vous mettre là, comme ça à la rigueur, on va pouvoir éventuellement tenir. Effectivement, ils vont plus vite que moi. Bien. C'était un petit problème. Attends, j'envoie un mineur pour essayer de t'aider. Bon, ça fait que 10 unités, tu t'es foncé direct. Non, mais tu t'arrêtes. Pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés? Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés? Ok, j'envoie quand même les mineurs. Oui, les chiens là. Bon, c'est la fin de. La fin du tireur, je crois. C'était une connerie ce que j'ai fait. Effectivement, l'objectif était de se dire on va essayer de se mettre autour de la barricade et de tenir, mais je crois que malheureusement un peu compromis là. Je sais même pas pourquoi on la joue en fait. Oui, non, c'est clair que c'est pas. En tout cas, il a vraiment pris un endroit où il y a zéro tour. C'est impressionnant. Allez, arbalétrier, on récupère. Là, on a mis en déroute les chiens de guerre. Comment ça, ça ne te remet pas en confiance? Je crois que le sorcier, il a même pas lancé de sort. C'était genre vraiment. Il vient taper pour le plaisir de taper, mais la flamme de lance des sorts. Si, il a miasme mystificateur. Qu'il a dû en lancer, à mon avis. Oui, il en a lancé. Il fait affaiblissement. Ouais. Bah écoute, on ira reprendre cette cité. Tu peux faire x4. Oui. Je vais me faire admettre la défaite en vrai, je pense. Après, c'est moi qui suis défaitiste. Et t'avais 2000 points que t'as même pas utilisé. Bah, je pouvais rien faire. J'avais rien à construire. Je veux pas le savoir. Alors, j'aurais pu améliorer les tours, mais pendant 30 ou 60 secondes, là, elle faisait rien. Donc. Terrible, terrible. Bon, c'est dingue ces gens qui ne veulent pas du bienfait des nains, quoi. Non, 197 points, quoi. Qu'est-ce que tu voulais faire? Oh la vache. Non, mais j'avais pas repéré qu'ils étaient aussi
aussi cassé en fait. Il venait vraiment Ouais, pas mais pour. ça prend tellement longtemps. Enfin, ils ont une reconstitution lent tous les nains en fait. Hein. C'est ça qui est compliqué avec eux. Ils sont lents en tout. Bon, là, on va encore avoir une bataille complètement à la con. Là. Épée de Kane récupérée. Ah, d'accord. Ok, je vois pas trop le rapport, mais. Allez, pour la peine, on fait ça vite fait. Et après, on retourne jouer avec eux. Mais par qui là? On va se contenter d'occuper parce qu'on n'a pas le temps de rester là pour stabiliser, ça va bien. À une horde de gobelins, d'accord. Ouh, le persuadeur de Mike Eisen. Je vais pouvoir aller récupérer la couronne, moi. Tu fais 3000 ennemis avec des unités d'artillerie. Ok, très bien. J'ai réussi cette quête. Excellent. Ah, tu l'as trouvé la couronne? Ouais. Bien joué. Je l'aurai au prochain tour. Enfin, après, normalement, tu l'as pas tout de suite censé être un indice, hein, mais. Non, j'ai. Ah, t'as trouvé la couronne. Ouais. Ok, je pensais que c'était un indice et que tu l'avais plus tard. Si, je peux même y aller en marche forcée, donc. Victoire décisive. Du coup, ça t'a fait. Il y avait une bataille pour la choper? Ouais. Prendre la couronne. Et sinon, si je la fais déchoir. Ça me rapporte. Reconstitution. Au territoire, oui, c'est pas terrible. Allez, on va la tester. Relation diplomatique plus 30 avec l'Empire, moins 20 avec toutes les autres factions. Ouais, c'est sympa quand même. Allez. Hop, on prend ça. Toi, ma chère, tu vas prendre ça. Et du coup, ça prend la place d'une autre. D'un autre. Non. Ça prend pas la place d'un objet magique, c'est. Non. Je ne sais pas. Couronne de Némésis, nouveau porteur. C'est moi. Alors qu'une puissance maléfique vient d'être vaincue, une autre bien plus dangereuse, Elspeth von Draken, arrive pour prendre sa place. Mouahahahaha. Eh ben écoute, je te propose qu'on arrête l'épisode là. Que j'étais suffisamment démoniaque sur mon. Je pense que tu peux faire mieux, mais. Jamais comprends. Écoute, je suis d'accord pour m'arrêter. C'est toi qui fais l'outro. C'est vrai que c'est moi qui fais l'outro. Bah écoutez, sur cette prise d'un objet légendaire, j'espère que l'épisode vous aura plu. J'espère que cette bataille complètement ratée par le cygne, vous l'aurez trop kiffé. Oh là là, comment c'est orienté quoi! Comment c'est orienté? Incroyable! En tout cas, nous on vous fait bien des bisous et puis on vous dit à bientôt. Ciao ciao! Ciao ciao tout le monde!